Ministère défense ak jente interaméricaine défense OEA mette yon point final jounen mercredi a nan Royal Oasis nan séance travail yo tap fè sou préparation livre blanc sou sécurité ak défense nationale pou développement économique ak social durable nan pays a. Après 4 rencontres yo fè déjà nan Port-au-Prince ak représentant divers groupes nan société civile la, commission présidentielle la ensemble ak délégation expert jente interaméricaine défense OEA ramasse l'idée représentant divers groupes nan société civile là sous ça qui doit dans document ça comme projet pays dans domaine défense. Ministre défense là, ancien major Lenier Renault qui t'est parlé dans nom premier ministre Laurent Lamotte, souligner nécessité création une force défense nationale pour surveiller frontière à côte la mer. Lenier Renault a expliqué tout objectif document ça dans micro Renal Guerrier avec Mackinson Paul. Il y a un document de référence chaque fois que nous va perdu là cadre sécurité non, la cadre défense non, et ben n'a pas tourné garder livre blanc qui ça comme de là document de référence tout comme la constitution. Chaque fois que n'a perdu n'a privé vers lui et qu'on déjà pour accommoder ajuster tir non, on connaît que président l'inauguration il dit comme ça que pays a ouvert pour business. M'a promis exactement la terme de dit là, hey, it is open for business. Premier ministre dit que son désir c'est de faire d'Haïti un pays émergent en 2030. Faire un pays émergent en 2030, faut que un cadre sécuritaire qui pour bail investisseur ou pour d'esprit pour venir investir. Là il vient faire hôtel, là il vient faire chaîne magasin pour que justement il pas craigne émeute, il pas craigne le pire pour investissement là. Sous peu, minus après aller. Nous racontons-il pour aller demain ou après demain, mais un fait est certain, la minus s'en va. Et là, pour aller, il faut que bien un moyen pour nous joindre, pour nous encadrer la police nationale d'Haïti. La police nationale d'Haïti, une institution que nous sommes très, 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 très jaloux de lui, parce que international, là, tout comme taxpayer haïtien, on consentit un pile effort là. Implantation de la police nationale. Mais nous dit que si nous remet la police nationale, nous voulons aider la police nationale, il faut que nous fassions en sorte que la police nationale pas subi même sort que l'armée d'Haïti a subi. Pour qu'il a subi même sort, nous avons conscience que l'armée d'Haïti a une double mission, la mission de police et la mission de défense. Donc les deux bagages ça rejoignent libor une mixture qui pas ni une ni l'autre. Nous voulons que gens que ou concevoir la sécurité en amont et en aval, nous gagnons des kilomètres de frontière avec la République dominicaine, nous gagnons des kilomètres de côte maritime qui pas protégée. Ce n'est pas la police nationale que nous pouvons demander la police nationale monter sous frontière là, enlever les frontières là. Ce n'est pas une tâche de défense. Ce n'est pas la police nationale que nous pouvons demander de monter sous la mer à sécuriser 1500 km de côte. Donc, il nous faut faire quelque chose, il nous faut penser à quelque chose. Il faut que nous ne pas penser que l'étranger est capable de souquer nos lambral tout le temps. Nous sous deuxième mission Nations Unies dans le pays, dans le cadre des ordres. Okay? Il faut que nous capables de rassurer l'international. Il faut que nous capables de rassurer le peuple haïtien du point de vue sécuritaire. Certes, la nature a horreur du vide, nous, la police a fait son travail, mais un travail de protection. La protection, la protéger et défendre ne sont pas synonymes.